Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des bottes innommables. A priori, pour un stuff PVP pour un nanifeu. Et on va essayer d'avoir un G aussi perf que possible. Et éventuellement de trans à la res mêlée. Voilà. Donc, le PM vient de tomber sur une rune repair. D'ailleurs, j'ai moins 15 vita avec. C'est déjà. Il commence déjà à se passer des trucs bizarres. Ça arrive rarement. Donc, on a 93 moins 6. Est-ce qu'on avait un peu de puits d'avant? J'ai pas l'impression. 87. Alors ma stratégie pour un petit peu découvrir l'item, parce que c'est la première fois que je forge le mage cet item, je pars dans l'optique de garder maxé toutes les lignes sur lesquelles je vais pas être embêté pour faire un over pour aller chercher le perf, c'est-à-dire déjà tout ce qui est en dessous du PM, et éventuellement ensuite la sagesse, parce que si j'ai 58 de sagesse, je peux aller les chercher à la passa, même si c'est un peu périlleux, mais je veux vraiment pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre sur les deux premières lignes qui, elles, peuvent vraiment être problématiques. Là, j'ai déjà le 390 de Vita, ça va être un peu chaud. Pour avoir un truc propre, je pense que la pavie à ce stade, ça va être très compliqué de la passer. Je vais peut-être devoir me contenter avec 490 Vita. En revanche, l'intel, là, je peux aller chercher les 101. Donc, on va commencer par l'intel. Ok, j'ai moins 40. On va enlever l'over à la rune. Rune chat. Hop. Voilà. Ensuite, la ravie. Ah, ça coûte cher, hein. Moins 20. Hop. La repère. Moins 6. Là, pas ça. Ah, je vais t'embêter là. J'ai plus de puits. Bon, je vais remettre le PM. Et ça passe pas. Bon, le PM vient de tomber. On a ici 9, on a 15, on a plus 5. Plus 84. 89 de puits. Alors j'étais en train de me poser la question, comment je procède par rapport au tenta PM pour lesquels les valeurs au-dessus ne m'arrangent pas du tout. C'est-à-dire que là, juste avant, j'ai eu une tenta, j'étais à 82 d'intel, j'ai même pas record, j'ai remis le PM direct pour continuer, parce que, en fait, il y a des tentas que je vais rejeter en fonction des congruences de l'intelligence. Là, je vais tenter de bourriner la painée pour monter à 70, on va voir si ça se passe bien. J'ai pas l'habitude d'FM des items avec une ligne élémentaire à 100, donc je sais pas comment ça se comporte, on va voir. Ok, c'est bien ce que je pensais, ça passe quand même encore relativement bien. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc là, j'ai potentiellement un truc très solide. Donc on va partir la ravie, la ravie, la ravie. Ok, moins 30. La rainée. Une, deux. On a pas mal de crit hein, sur ces grosses runes là, ça fait vraiment plaisir. Et là, les amis, la rasa, tout se joue là-dessus. Hein. Il me reste 43, j'ai une tenta rasa. Qui crit. Ok, ça c'est magnifique. Donc là, j'ai deux, j'ai presque trois tentas, j'ai presque trois tentas répermées. Il me faudrait un crit à l'arrêt neutre. On va tenter un crit à l'arrêt neutre pour gagner une tenta. Un crit. Ouais, non. J'ai donc deux tentas neutres, enfin deux tentas répermées. Qui ne passe pas. Et si j'ai le PM, je partirai sur une transe. On n'a pas le PM, on continue. 85 de puits. Là, on a potentiellement un truc très très lourd. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, tout le reste en dessous du PM est maxé. Alors là, il faut une pavie à 355. Ce qui me permet d'aller chercher les 555 et les 500 à si j'ai de la chance. Et ça, c'est vraiment huge. Moins 20. Allez, la petite rune chance. Là, il me faut un moins 5 et pas un moins 6. Yes. Écoutez, si ça passe, j'ai un full perf. Hein. Alors effectivement, je suis rassuré, les painés passent vraiment très très bien à 70, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça va beaucoup m'aider pour la suite. On a beaucoup de crits également qui sortent, moins 20. Et là, et voilà, c'est tout l'avantage d'avoir maxé les lignes qui ne vont pas être problématiques à GPerf. Là, ça fait que là, je suis à 47 et là, je peux mettre pas ça, ras ça, alors que si j'avais été à 51, enfin à 52 par exemple, j'aurais été embêté. Donc, moins 18. Et ah, il me faut le crit. Le crit.
Là, il me faut deux crits, là. Ça se tentait. Allez, on continue, on finira par l'avoir. 84 depuis, là on a un cas de figure intéressant. Alors j'ai vu qu'à la painée on montait à 70 assez facilement. On pourra même tenter de voir si on monte à 80. Je voudrais voir si à la pavie on peut monter à 400 sur un item dont la vita max est à 500. On va voir si ça passe. Là c'est une expérience, hein. C'est peut-être une mauvaise idée, mais je veux voir à peu près. Ok, c'est. Bon, statistiquement on a un échantillon qui est trop faible pour se faire une idée, mais quand même on voit déjà une tendance. C'est à peu près faisable, mais ça bouffe du puits, quoi. Donc là, on a 5, 8, moins 24. Et là, auquel cas, on peut avoir une tenta en moins 1 sagesse si on a de la chance sur la suite. Parce que là, il manque quand même pas mal de choses. Ok, bon, bah. Voilà la fameuse chance sur la suite dont je vous parlais, évidemment. On va y aller sur l'inné. Ouais. Moins 50. Il va me falloir beaucoup de crit, les amis. Bon. Bah, j'ai un depuis, hein. C'était pas loin en vrai, hein. Allez, c'est pas grave, je suis plutôt optimiste pour la suite, on continue, ça va bien se passer. Tenta magnifique à 85 depuis, congruence absolument optimale, les amis, c'est magnifique. Donc, c'est parti. Moins 15. Allez, là, il me faut du crit. Voilà, j'ai dit il me faut du crit, je balance 150 vita en crit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? C'est comme ça que ça se passe ici. Là par contre la passa elle va me. Tout se joue ici. Hein. NP. NP? De toute façon fallait que j'y aille, hein, c'est pas le choix. 81 depuis, bon là ça va être un peu technique. Il va nous falloir de l'over dans tous les sens. Il faut que je bourrine les pavis. Jusqu'à 400. On va voir. Et là, ça va être, on va dire, déterminant sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Ça se fait en vrai, ça se fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait moins 42, hein, si je sais encore compter. Bon, ça picote un peu quand même, mais ça va. Ça aurait pu être pire. L'intel. Faut aller à 71. Voilà, bon l'intel confirmé qu'on monte vraiment très tranquillement à la painée, ça c'est vraiment bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 21. Là je peux aller over. Oh les crits qui mettent tellement bien. Ça crit vraiment bien sur l'item là, il y a tellement des grosses runes comme ça. Heureusement parce que j'étais en train de me dire, bon c'est compliqué d'avoir assez de puits. Regardez-moi ça, ça passe tellement tranquillement. Bon là on va pas pouvoir aboutir cette tenta mais c'est quand même cool, franchement ça peut se faire. Allez on garde le moral, ça finira par aboutir. 84 depuis, bon la sagesse 52. J'étais en train de me dire que c'était peut-être plus intéressant que j'essaye de viser 50 sagesse et que je balance la rasa ensuite. Parce que je pense que la passa quand on approche des 60 ça c'est vraiment un coup à s'exploser le puits dans le vent quoi. Donc là on va y aller la passa parce que pas le choix mais sinon je vise quand même de rester en dessous des 50 de sagesse. Je pense que c'est plus strat. Ouais, ça confirme ma théorie. Hein. C'est pas grave, on s'approprie l'item, on regarde comment ça se comporte et on ajuste notre comportement en fonction de ce qu'on observe. On continue. 82 depuis. Bon, la vita est pas hyper clean et je pense que ça va me coûter trop cher si je veux essayer de l'augmenter. Donc on va la laisser comme ça. Alors là, j'ai deux options, c'est soit je vais à 61 d'intel into 101 into 100, soit je monte à 70 into 100. Ça, c'est deux options. Je vais choisir 70 parce qu'on a vu que ça montait bien à 70. On va voir comment ça se comporte. Et bah, c'était le bon call, les amis. Donc, moins 15. Insane. Les ravis. Avec toujours beaucoup de crit, hein. Ça, c'est. Ça fait vraiment plaisir. Bon, il me reste 47. On est quand même short en puits, hein, malgré tout, malgré toute la bonne volonté qu'on met. C'est technique. Hein. Là, il va falloir. Après, si j'ai du crit comme ça, en vrai, il y a tellement de crit que. Sur des gros crits qui passent bien, ça peut le faire. Hein. Moins 15. Écoutez, il me faut un crit rasa, hein, ça se tente. Hein. Sans regret. Allez, on enchaîne. 84 depuis. Alors ça va être un peu compliqué, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de puits pour remonter assez haut.
Ce que je vais faire, c'est aller chercher les 71 d'Intel. Donc let's go. Voilà. 7, moins 21. Hop. Parce qu'à la limite, je pourrais me contenter d'avoir un moins 2, moins 3 Vita, mais je voudrais vraiment le perf Intel, ça j'y tiens. Donc moins 10, encore une fois, beaucoup de crits, ça nous met bien. La sagesse me fait peur, hein, là il va vraiment falloir tout donner. Pour la Vita, on aura du moins 4 Vita, il faudra s'en satisfaire, on n'aura pas d'autre option. Encore du crit. Ah, j'ai parlé un peu vite, ah, je me fais karma direct. J'ai prononcé le mot crit, c'est bon, c'est terminé. Donc bah écoutez, GG à tous, là c'est la sauce. Hein. Ouais, tant pis. 88 depuis, bon là c'est pas mal, on a beaucoup d'intel à remonter, mais ça peut le faire. C'est parti. Ok, donc, moins 21. Allez, c'est parti. Bon là, la sagesse, on va aller chercher les 58, hein. J'ai bien compris que... Toujours du crit, hein, c'est cool. J'ai bien compris que bon, chercher les 60 à la passa, c'était du suicide. Hein. On est déjà short sur le puits. Regardez-moi ces belles lignes, mais les amis, c'est vraiment... Là, j'allais mettre moins. Bah non, moins rien, en fait, parce qu'on a crit. C'est si beau. J'ai 57. Moins 30. 27. Alors là, la question, c'est est-ce que je remets le PM direct pour pouvoir trans si ça passe pas. Ou est-ce que je bourrine les runes sagesse. Parce que de toute façon, disons que mettre les répermés avant de mettre le PM, ça peut être intéressant si je peux avoir une chance d'avoir un 2% qui sort. Mais là, je peux bourriner les runes sagesse, là. Je pense que je vais mettre 9 runes sagesse, into PM, into trans, hein. Je pense que c'est plus strat. J'espère que je me suis pas chié sur le puits, j'ai compté un peu vite, mais... Là j'ai moins 3, là j'ai plus 3, là j'ai plus 1. Non, normalement je suis good. Écoutez, on va partir là-dessus. Et ensuite PM et ensuite trans si ça passe. Ok, le PM. Dommage. 81 depuis. Alors là, on me suggère 99 d'Intel dans le chat, mais c'est me sous-estimer, évidemment. On va aller chercher, les amis, le 81, parce qu'on est comme ça. Aucun regret, évidemment. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas compter, en fait, on va juste aller chercher le perf. En fait, je suis en train de me dire, même presque toutes mes tentages, je pourrais les faire sans compter. Hein. Juste en essayant d'aller chercher le perf et en essayant de remettre le PM. Et en... Ce serait presque un gain de temps considérable. Ça peut être une strat dans ce cas de figure de ne pas compter le puits du tout. Bon, allez, on continue. 87 de puits, ça peut faire un truc sympa. Là, il faut ravi. Oh, sérieux. Pour une fois que c'était à peu près correct. Bah GG à tous. Hein. Là je suis un peu dans la sauce. Bon ça sert plus à grand chose de compter à ce stade, malheureusement. Tant pis. 86 depuis. Bon je crois que je vais devoir accepter le 99 d'Intel, mais ça me chiffonne. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit que ça va passer, ça va repasser là-dessus et je vais avoir le démon après. Mais bon. La Vita, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller chercher. La Vita, on peut aller chercher le perf, je pense. Ok, c'était une idée de merde. C'était la pire idée. J'aurais dû juste y aller à la ravie et moins 5 vita. Je pense que c'est ce qu'on appelle un acte manqué, c'est-à-dire que mon subconscient ne voulait pas que ça repasse sur du 99 d'Intel, donc je me suis saboté ma tenta. Voilà, c'est... La psychologie freudienne nous explique ça, les amis, c'est... Voilà, j'ai pas voulu avoir un 99 d'Intel qui sort, donc j'ai détruit la tenta, c'est tout, c'est...
Que faire d'autre que ça? Je veux du 120L en fait, y a rien d'autre à dire. 86 depuis. Bon, la Vita, je vais pas avoir d'autre choix que d'accepter 494, hein. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. On va y aller sur un over avec... J'ai commencé à dire le avec plein de crit et le karma direct, moins 20. Bon, je l'ai mérité, j'accepte ma sentence. Donc, hop, allez, les ravis. Moins 19. Le soin, moins 10. Mais écoutez, il va me falloir mon meilleur crit à la Rasa. Et voilà, suffisait de demander. Donc là, j'ai 27. Donc j'ai 9 tentas. En vrai, je préfère les 27 tentas vie, je pense. Que les 9 tentas sagesse. Faut que je sois rapide pour cliquer si ça passe. Bon, au moins j'ai bien compté mon puits, c'est déjà ça. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 85 de puits. Bon, dommage pour le 1 de Vita qui nous dérange, mais ça peut quand même donner un truc sympa avec une Vita du coup qui sera pas opti. Let's go. Moins 30. Alors évidemment, ça crit quand on veut pas, hein. Ça c'est la classique. Moins 2. Allez, les Rainés, il faut tout donner là. Moins 30. Bon, bah écoutez, il va nous falloir un crit à la Rasa. Et non, 87 depuis. Bon, c'est pas magnifique, mais on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, la Vita. Let's go. Non, non. On va y aller comme ça. Hop. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 30. J'aurais peut-être dû commencer par monter l'intel. Je crois que j'ai un peu fait nimp. Pour que ça reste pas en sujet. Ouais, c'était nul. 80 depuis. Je vais être très très sage. Je vais pas tryhard comme un débile. On va simplement se contenter de ce qu'on a. Bah, écoutez, ça commence bien. Hein. C'est vraiment, je suis ravi d'être sage. Et quand je dis que je suis ravi, c'est pas un jeu de mots. Avec les runes ravies, évidemment. Là, je suis dans la sauce jusqu'au front. Hein. Mais écoutez, il va nous falloir la meilleure race de notre life. Et ben voilà, il suffisait de demander. Donc, j'ai 10 depuis. Ça nous fait 10 tentas intel. Alors, je vais les faire une par une pour être sûr de pas fail si ça passe. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? Et non! 77 depuis sur cette magnifique tenta qui peut me donner un full perf. Hein. Donc on va en bas, let's go. Let's go, on y croit. J'ai vraiment envie que ça aboutisse là, je vous avouerai, et ça me ferait plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà monter tout hors des sujets. Moins 20, ça commence plutôt bien. Là, on va aller chercher le 90, pas le 100 même. Hein. Regardez-moi ces magnifiques séries de crit qu'on a. Je peux vous dire que je les mérite. Il va me falloir un crit Rasa, hein, vraiment là. Oh non, sérieux. Vraiment, c'est ma vie ça. Bon, bah j'ai plus de pli. Oh là 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 là, c'était tellement close. Dommage. 83 depuis, alors j'avais 437 de Vita, et je me suis dit je vais bourriner la pavie et je commence à enregistrer que si elle passe, bah boum la pavie. Donc bah let's go. Hein. Hop, moins 10. Moins 5, ok c'est cool. Là je vais mettre la painée. Moins 3.
Tout est sous contrôle, hein, comme vous le voyez. Moins 30. Tout se joue toujours sur la sagesse, hein, de toute façon. Moins 9. Je peux même la passer en succès neutre. Faut vraiment qu'elle passe. Et le crit, les amis. Bon, 31 de puits restant. 31 de puits restant, c'est quoi? C'est 2 tentats resmêlés, ça peut me faire un 2%, ça. Une et deux. Est-ce qu'on a le PM? Et on a le PM, les amis. Moins 3 Vita. Bon, j'ai commencé très très fort avec une Tanta moins 1 Vita et une quasi-Tanta full perf. J'ai eu quelques fois, je me suis approché du full perf, mais j'ai jamais été à une rune PM du full perf. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est quand même sympa. J'ai un peu persévéré, mais tranquille. Tout le chat était en mode, tu vas devenir fou et tout, mais tranquille. On n'est pas resté si longtemps que ça. Je vais me prendre ma petite rune trans HDV. Et voilà, c'est franchement par rapport à la difficulté de l'item, j'ai mon full intel, j'ai mon full sagesse, on va se remettre le jet sous les yeux, ne hein, vous inquiétez pas. Hop, la petite rune Tarémé. Alors la résistance mêlée, c'est parce que c'est pour aller sur un ennemi, et ce sera joué avec un phalanster, donc la phalanster qui fait des restes distance. Donc voilà, je fais des exos resmêlés sur les items pour avoir un truc à peu près versatile. C'est franchement... voilà, on a passé une soirée dessus, en y allant tranquillement, en discutant. Tout le chat me disait arrête d'aller chercher le 60 sagesse, t'auras jamais, etc. Les amis, faut jamais douter. Bah let's go. Je vérifie que j'ai bien toutes les lignes qu'il me faut, mais oui, on est bien dessus. Voilà. Franchement, c'est très, très honnête, hein. On a fait ça en une petite soirée, un petit live, là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, voilà, je vais continuer à vous faire pas mal de vidéos, de live. Il y a encore la suite des FM, des stuff PVP qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.